黒様。 見よ、不思議の毛一振りよ。健一郎殿、そのようなものでは決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、竜院など誰の手にもあるべきではないのだ。 苦労をかけるな。御意。参る。ああ、しまいとしよう。 Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Sekiro Shadow Die Twice. Et aujourd'hui nous allons voir comment battre le boss en moins de 10 minutes. Alors comme vous le voyez, l'essentiel de la technique c'est de faire des contres parfaits. Un petit contre Mikiri ici. Et on riposte. Un contre parfait. Là on recule, il va sauter ici, un contre Mikiri et on riposte. Et voilà. わしはこのアシナを蘇らせねばならぬ。故にセキロ、お主を斬るぞ。 Alors vous allez voir, pour le deuxième tour c'est tout aussi facile, toujours des contres parfaits, et vous allez voir que plus vous allez réussir à faire de contres parfaits, plus ça va vous aider, et ce pour n'importe quel boss. Là, je fais des contres parfaits, là je saute, là il attend donc j'en profite, voilà. Hop, un petit contre Mikiri. Et vous voyez, dès qu'il y a une faille, n'hésitez pas. Mettez une double attaque. Là, faut se pousser. Voilà. Et une attaque dans le dos. Voilà, et vous répétez ça jusqu'à la fin. Vous allez voir, vous allez l'avoir relativement vite aussi. Yeah.
Alors là, pour la phase 3 et la phase 4, qui sont très similaires, sauf que la phase 4, il y aura une attaque et des éclairs en plus. Sinon, c'est exactement la même technique. J'en ai un peu plus bavé parce qu'il est un peu plus agressif. Mais sinon, en fait, quand il est au corps à corps comme ça, on part ses attaques. S'il y a une ouverture, on n'hésite pas. Quand il saute, il faut faire une parade parfaite. Pareil sur les balles quand il tire. Là, quand il est en attente comme ça, on en profite pour regagner de la posture, parce que dans cette phase-là, c'est très très important d'avoir de la posture. Alors là, je pars des balles. Là, je récupère ma posture. Là, il y a une ouverture, donc j'attaque. Par contre, attaquez une seule fois, sinon vous allez vous faire toucher après. Vous allez voir, ces deux dernières phases n'ont rien à voir avec les premières. Elles sont vraiment beaucoup plus compliquées. Et d'ailleurs, si j'avais pas eu mes deux raids, je ne les aurais sûrement pas passées. En fait, le truc, c'est que il y a la lance qui a énormément de portée. Il y a le revolver, pareil, qui peut nous avoir à distance. Et il y a le katana qui peut nous avoir au corps à corps. Donc, comme vous le voyez, ne pas hésiter à enchaîner les contres parfaits. Les contre Mikili quand c'est possible. Et quand il y a une faille, bien sûr, la double attaque. Voilà, là le contre Mikili n'est pas passé, donc je me suis fait avoir. Là, j'aurais dû sauter, j'ai fait une erreur. Vous allez voir, ces deux dernières phases sont vraiment des phases qui n'ont rien à voir. Le combat est vraiment très très agressif et très éprouvant. La moindre erreur peut vous tuer instantanément. Et voilà pour la phase 3. Donc, comme je vous disais, la phase 4 est relativement identique, sauf qu'il y aura les éclairs que vous pourrez renvoyer. Je me suis raté. Et ces attaques-là. Voilà, c'est les deux seules différences. Par contre, si vous réussissez à lui renvoyer les éclairs, vous allez lui faire de très gros dégâts de posture et ça va vraiment vous aider dans le combat. Sinon, tout le reste du combat est identique à la phase précédente. Contre Mikili quand c'est possible, chaque fois qu'il y a une ouverture, on récupère sa posture quand c'est possible, on lui renvoie les éclairs, voilà. Oui, la deuxième attaque passe pas, on se fait toucher avant. Une seule attaque, c'est déjà très bien. Par contre, vous allez voir, s'il arrive à vous toucher, il va vous enchaîner, mais quelque chose de malade. D'ailleurs, ça va m'arriver, donc vous allez pouvoir le constater par vous-même. Faire attention à sa posture, c'est très important. Voilà. Voyez, une fois qu'il vous touche, il vous lâche plus après. Là, j'ai plus rien dans ma gourde. Et là, il a presque plus de posture. À ce stade du jeu, c'est lui ou c'est moi. Même si j'ai une reste de rab, c'est l'un ou l'autre. Et ce sera lui.
Donc, comme je le disais, combat très très éprouvant et très technique. Après, je suis quelqu'un qui joue très agressif aussi, hein, donc ça va avec. Je pense que si vous prenez le temps de bien vous poser et tout, vous pouvez vraiment le passer sans trop vous faire toucher. En tout cas, en subissant moins de dégâts que moi j'en ai subi, en jouant de façon agressive. Sur ce, les amis, je vais vous laisser profiter de la cinématique de fin. Je vous remercie d'avoir suivi le let's play complet de Sekiro. Ça fait vraiment plaisir et votre soutien est très important pour moi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous aurez vu la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. おそばにおります。竜の涙。生涯の忍びよ、虫たちをお願いできますか。これはやはりあなたが持っていてください。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。